Managing public finances and running a smooth financial system is about a lot more than collecting taxes and having a transparent budget process. It's about governing in an efficient and legitimate way. In the West African country of Mali, technical assistance from the International Monetary Fund is making a real difference. L'assistance technique du Fonds monétaire international en Afrique apporte son soutien au développement de la gouvernance et de la transparence de l'autorité publique vis-à-vis du citoyen. Mali's close to 14 million people and their government need practical help to get their economy and financial system back on track. Mali has a three-pronged strategic plan. Ça porte sur l'amélioration de la qualité de la dépense publique à travers la prévision de cette dépense-là. Deuxième déclinaison de cette assistance technique, c'est l'amélioration de la politique fiscale. Et cela, à travers la rationalisation et la simplification de cette politique fiscale, d'abord pour la rendre compréhensible par les citoyens et les contribuables, mais également pour la rendre facilement applicable par les agents de l'administration fiscale chargés de sa mise en œuvre. Et le troisième aspect de cette assistance porte sur l'amélioration des administrations de recouvrement et des administrations d'assiette. Et c'est dans ce cadre que nous avons procédé à la réforme de la Direction générale des impôts. The IMF's technical assistance is supported by several donor countries and is designed to share a deep reservoir of knowledge, experience and experts from over 100 countries. It means a country in need of help doesn't have to start from scratch, but instead can adopt the best practices that work for them. Nous, sur le terrain, nous appuyons la mise en œuvre de ces stratégies la main dans la main avec nos collègues dans les administrations publiques. Nous aidons également les pays à améliorer leur outil statistique de telle manière à ce que les décisions par la suite, sur la base de ces données, soient plus fondées. These reforms can help Malians in their daily lives by reallocating resources to fit the priorities. And who sets these priorities? Around the world, parliaments debate their country's budgets. And in Mali, the first public debate on the budget took place in 2011. Non, franchement, monsieur, à quoi je m'attends, je ne me fais pas beaucoup d'illusions. C'est un exercice qu'il faut commencer. Et tirant l'expérience des autres pays sur lesquels... généralement, c'est un exercice qui a peu d'influence sur le budget immédiat. C'est vrai que ça peut influer avant que ça ne vienne. Je pense que pour un premier exercice, chacun fera un effort. Alors autant je mets du bémol, c'est-à-dire je pense que ça n'aura pas tous les effets escomptés, autant je pense que le gouvernement, pour une fois, pour montrer au Parlement que oui, je tiens compte de ce que vous dites, va faire un effort qu'il ne pourra même pas faire dans le temps plus tard. Alors c'est ça me paraît bien, ça me paraît positif. But there is still room for more progress. En matière de renforcement des capacités, une des difficultés auxquelles les gouvernements des pays membres et nous avec eux faisons face, c'est finalement la soutenabilité de l'assistance technique, compte tenu du grand turnover, si je peux m'exprimer ainsi, des employés publics. Alors ce que nous faisons pour essayer d'améliorer la situation, nous discutons désormais avec les départements des ressources humaines, des administrations avec lesquelles nous travaillons, de manière à les inciter à développer des politiques de long terme pour s'assurer que les staffs bien formés restent et travaillent au pays. Beaucoup de chemin a été parcouru. Et ces dernières années, on a assisté en tant que jeunes à la mise en place, notamment grâce à l'aide d'organisations internationales ou d'autres pays partenaires du Mali, d'instances de gouvernance, d'instances en tout cas destinées à nous aider à mettre en place plus de transparence, plus de bonne gouvernance dans notre pays, parce qu'aujourd'hui ce n'est plus un secret, c'est la base du développement. And Mali is well on its way.